Salut, c'est les mercredis FNG. Bonsoir. Aujourd'hui, on va faire du thon blanc ail de car. Comme ça ici, on va venir faire en tranche. On va faire un petit peu de taille, genre style taille. Je viens d'obtenir une nouvelle sauce, la Claudel. C'est une sauce à base de piment. Produit québécois, tout bio. Donc, on fait un petit produit taille de même qu'on va essayer une petite recette tantôt là, avec ça pour le thon. Puis, on va servir aussi des petits pots du bonheur pour venir déglacer notre thon sur la plaque volcanique. Ça, c'est un petit vinaigre aromatisé gingembre et miel. Fait que ça devrait être super bon avec le thon. On va servir de tout ça pour le thon. Ensuite, en accompagnement, le temps des asperges. Donc, asperges, on va faire des petites tranches de betterave que je vais venir mettre juste un petit peu d'huile dessus qu'on va griller au barbecue. Des petites tranches très très minces de concombre anglais, puis melon d'eau. Donc, c'est un melon miel? Melon miel, c'est un melon. Parfait. Qu'on va faire griller aussi sur le barbecue. Donc, on va tout servir ça un peu plus frais, il fait chaud aujourd'hui, on va manger plus frais, un bon petit thon tataki, genre style qu'on va faire. OK. Fait que, on va improviser pas mal, nouvelle recette que j'essaie, puis écoute, on réinvente ça un petit peu à mesure. Puis on va servir, il nous reste un peu de fromage mi-molette avec du Five Counties. On va faire des beaux petits crotons de pain, tranchés pas trop épais, que je viens de faire une petite huile pour ça avec ail basilic. Fait qu'on va venir badigeonner un petit peu sur le pain, on va le faire griller sur le barbecue. On va venir chercher des saveurs. Puis regarde, le reste, on voit ça tantôt sur le barbecue. Excellent. Yeah, man! OK, de retour à la préparation. Ça va être le temps de commencer à mettre les légumes sur le grill. Donc, on va préparer ça. C'est ce qu'il y a à faire. Vraiment simple. Avec les asperges, on vient juste badigeonner un petit peu avec de l'huile. J'ai pris de l'huile d'olive aujourd'hui. Comme ça de même, on va brasser un peu. Puis, ce qu'on peut faire, seulement un petit peu de sel, un peu de poivre. Toujours sel himalayen, c'est le meilleur. Comme ça. Un petit peu de poivre. Puis on va le mettre sur le grill dans pas long. Ensuite, betterave. Comme je parlais tantôt, on va faire des belles tranches pas trop épaisses. Donc on va faire la même procédure. Huile, sel, poivre, tout simplement. Qu'on va griller directement sur la grille. Comme ça ici. Un petit peu de place. Ça, on met un petit peu d'huile sur les deux côtés. Je vais continuer après. Sel, poivre, on va pouvoir mettre sur le grill. Ensuite, ce qui est du thon. J'amène ça ici. Préparation. Donc, on vient faire des tranches. Je vais prendre un petit peu plus large, mais après ça, regarde, c'est vraiment des tranches assez le plus égales possible. Pour l'épaisseur, on va avoir le même temps de cuisson. Comme je disais tantôt, je vais faire deux sortes. Une avec ma nouvelle sauce Charlotte. J'ai oublié le nom. Claudel. Ah, Claudel. Excuse-moi, Charlotte. C'est Claudel. OK. Fait, regarde le principe, vraiment. Je viens tremper dans la sauce Claudel. On met dans le sésame. Puis, regarde, c'est prêt déjà. Cool, hein? Nice. Puis, on va les faire griller tantôt sur la plaque volcanique. Donc, on va faire une partie comme ça. Je vais les préparer après. Puis, l'autre partie, on coupe en tranches aussi. Juste un petit peu de sel, de poivre, puis c'est là qu'on va déglacer avec le vinaigre aromatisé, gingembre et miel des petits pots du bonheur. Donc la recette va être faite, on va servir des tranches de concombre mince, puis on va les faire griller le melon après. On se revoit au grill tantôt. Yeah man. OK, bon, on a fini les betteraves, on a grillé les betteraves, les asperges, c'est rendu en dedans. L'étape
grill. On va faire griller le thon. Regardez-moi l'assiette là. Mmh. Donc l'idée, on y met ça directement sur le grill comme ça ici. C'est pas tellement long à cuire. Il faut pas trop, faut pas niaiser là. On va comme ça. C'est parti, Johnny. On aime ça, les petites grillades. Et on parle d'un thon de notre ami François, quand même, de la poissonnerie de la mer. Fait qu'on parle de qualité, là, quand même. Ensuite, on a parlé de plaques. Par l'autre côté. On vient de mettre notre thon. On a mis juste sel et poivre, huilé, tout simplement. On va venir déglacer. Avec du bonheur. Un bon petit vinaigre de gingembre et miel. Donc on voit, on vient. On met sur la plaque comme ça ici, tout simplement. On laisse agir. Pendant ce temps-là, je vais venir mettre nos melons d'eau. Pas les melons d'eau, nos melons tout court. Melon miel, ça, c'est melon. Oui. On grille comme ça. Donc, on laisse agir un petit peu comme ça ici. C'est vraiment pas long à cuire. Il va rester mes petits pains que j'ai mis avec mon mélange d'huile que j'ai fait tantôt. Là, je marque un petit peu de place. On va donner un petit break. Là. Juste, on peut voir la texture. Regardez, allez, ça saisit. Regarde, ça va être débile. Regardez, ça, c'est l'effet du vinaigre qui fait ça. Ça vient comme. Je ne sais pas si on peut dire caraméliser, mais c'est un petit peu l'effet que ça va faire avec le vinaigre sur le thon. Donc on vire de côté. Et on va refaire l'opération encore. Puis c'est pas plus long que ça, hein? Les saveurs, c'est... Ça sent hein? Très bon, oui. C'est intense, c'est vraiment wow. Ça donne faim. Et ça, derrière, c'est commencé à virer. Wow! Ouh, c'est merveilleux. Quand on rouvre le couvert devant un peu, là, on vient avec un petit peu trop de chaleur. Bon, ben là, on va virer, je vais refermer le couvert pour finir la cuisson tranquillement. Pendant ce temps-là, nos melons ils ont du fun. Ils sont contents. Regarde, aïe aïe. Encore un peu. Je remets là. C'est chaud. Donc on referme un petit peu. On va laisser cuire tranquillement. Vous avez vu le principe. On finit pareil de l'autre côté. On va laisser refroidir dans les assiettes. On prépare ça pour vous montrer ça tantôt. Yes. Yeah, man. OK, voici le résultat. Donc, un thon albador. Excusez. Un thon blanc albacore. Donc, voici le résultat que ça donne. Servi avec échalotes, betteraves grillées. Regardez les. Les cantaloups, les melons cantaloups, hey, de la misère aujourd'hui, excusez-moi. Le produit final, vraiment bon. On va y aller avec regarde, les petits croutons ici qu'on a fait griller là, carrément avec la petite huile balsamique ail. Ensuite de ça, c'est vraiment c'est super cool. Je pense que c'est temps que je mange, là, je dis n'importe quoi. Donc, hey, mercredi FNG, profitez-en. On coupe la semaine en deux. C'est vraiment génial. Ça va être super bon. Donc, rock and roll. Yaman. Yeah,